Les principales caractéristiques d'une maladie dégénérative évolutive comme la maladie de Parkinson, c'est d'évoluer et de dégénérer. Dans cet épisode 26 des Parkinson Follies, je prends l'exemple de la festination de la marche pour préciser ce constat en forme de boutade, mais qui va nous ouvrir des horizons quasi métaphysiques. En conservant, je l'espère, la touche d'humour et la pincée d'autodérision indispensable au vu de l'ampleur de la tâche. Générique. Depuis cette année que je m'informe sur la maladie de Parkinson, et encore plus depuis un an que j'ai commencé ces Parkinson Follies, tiens, c'est bientôt l'anniversaire. La première vidéo date du 27 octobre 2022. Donc depuis tout ce temps, j'ai accumulé beaucoup de connaissances sur le sujet, qui fait que les évolutions des conséquences de la maladie sur mon intégrité physique ne m'étonnent pas. J'ai même tendance à les sentir venir et à m'y préparer. Pourtant, la festination m'a un peu pris de court, malgré la vidéo que je fis en mai dernier sur le freezing. Épisode 16, le lien est dans la description et apparaît ici. Au cours de la réalisation de cette vidéo, j'ai pensé, ça va m'arriver, mais pas tout de suite, Dieu merci. Eh bien, je me trompais lourdement. Ça m'est tombé sur le paletot en quelques semaines. D'abord, une difficulté à se mouvoir dans les recoins exigus, cuisine, WC, placard où l'on nourrit notre chat. Puis, impression d'être collé par les pieds au moment de faire demi-tour. Puis des marches surprenantes et gigotantes pour sortir de ce blocage, d'abord de temps en temps, puis régulièrement. Ainsi donc, cette démarche de festination que j'avais découverte il y a quelques mois avec ces petites vidéos, c'était moi maintenant. Pour le fun, je commençais à me filmer en pleine festination. Mais point de fun en fait. Se sentir dépossédé de son corps, sans action volontaire évidente pour contrecarrer la chose, c'est une expérience un peu douloureuse pour l'ego. Depuis des années, je vis avec des difficultés pour des mouvements de toutes sortes. Marche, écriture, élocution, lassage des chaussures ou rasage, comme je l'ai décrit dans des précédentes vidéos. Mais là, assez brutalement, un nouveau niveau de dépossession de soi-même intervient. Et on ne peut que penser aux étapes à venir lorsque surviendront des dyskinésies importantes. Je découvris que savoir n'aide pas toujours à accepter. Je pensais m'être vacciné contre la surprise après 25 épisodes de Parkinson Follies. Et ce n'était vrai qu'en partie. Vivre la chose est différent de l'imaginer. Pourtant, je me mis à utiliser les trucs que j'avais décrits dans mes vidéos, devenant usager de mon travail de vulgarisation. Et ça fonctionne. Si savoir n'aide pas toujours à accepter, posons-nous alors la question qui prolonge ce constat. Est-ce plus facile à accepter si on est au courant de rien ? Je ne me serais pas lancé dans cette œuvre de vulgarisation si je ne le pensais un tant soit peu. Je crois fondamentalement à l'éducation populaire aux maladies, causes et conséquences. Au niveau individuel, d'abord, je pense qu'on vit mieux avec la maladie si on comprend réellement les dégâts. Au niveau collectif, ensuite, je crois qu'en informant beaucoup plus largement sur toutes ces maladies, on finira par obtenir plus de moyens financiers et humains pour les soins aux personnes atteintes. Mais je comprends néanmoins la préférence de certains pour la découverte au jour le jour des symptômes, avec cette idée défendable qu'il est bien temps de s'inquiéter quand un tel ou tel symptôme vous rattrape. Surtout que l'évolution de la maladie de Parkinson est singulière à chacun, et qu'il serait par conséquent stupide de s'inquiéter à l'avance de certains symptômes qu'on ne subira pas. Bref, ignorer les dégâts potentiels, au sens propre comme au sens figuré, dans l'espoir qu'ils vous oublient, et même s'ils surviennent, parfois les snober en refusant qu'ils prennent votre vie en otage. Il existe peu de publications scientifiques spécifiquement consacrées à la festination. C'est pourtant un symptôme fréquent et handicapant. Une étude récente relate que plus du tiers des malades interrogés ont eu à subir des épisodes de festination dans le mois précédant l'interview. Et cela a entraîné des chutes pour 40% d'entre eux. Une des rares études sur le sujet est intitulée « Gait Festination in Parkinsonism ». Introduction of two phenotypes. Elle pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mais en voici quelques-unes. Premièrement, il existe deux types de festination. Le type 1, très associé au freezing, survient surtout au démarrage de la marche, dans les coins, les passages de porte ou les demi-tours. Le type 2 survient au cours de la marche, qui s'emballe avec le pas de plus en plus petit qui ne permet pas de retrouver l'équilibre. Un médecin a décrit des malades ainsi.
Ils semblent courir après leur centre de gravité. Les deux types peuvent entraîner des chutes. Deuxièmement, la festination est associée à des lésions dans le cerveau, principalement dans le ganglion basal, mais également dans le cérébellum. La cause de la festination est à rechercher dans un ralentissement des transmissions d'informations dans les boucles de régulation motrice. Troisièmement, on utilise principalement le terme de festination pour les troubles de la marche, gait festination en anglais, mais il peut concerner aussi l'écriture ou la parole. Ce sont les mêmes dysfonctionnements neuronaux qui en sont à l'origine. Le modèle est similaire, raccourcissement de la chose, taille des lettres ou volume de la voix, et accélération du rythme. Quatrièmement, le traitement de la festination n'est pas miraculeux. Pour le type 1, c'est l'adaptation du traitement dopaminergique qui peut parfois aider. Mais comme pour les autres symptômes, le levodopa est à double tranchant. Pour le type 2, c'est une rééducation fonctionnelle, redressement de la posture, correction de la marche, qui peut nous porter secours. La festination m'est tombée brutalement dessus. À propos de tomber, c'est justement les chutes qui sont la conséquence la plus à craindre. Mon principal conseil est donc celui-ci. Même si la démarche d'une personne en pleine festination peut faire rire, même si soi-même on pourrait en rire, voire faire le clown, il faut prendre cela très au sérieux pour éviter les chutes. Suivre les conseils sur le freezing, pratiquer des exercices de rééducation à la marche, avoir une canne à portée de la main, rester concentré et au calme. Et pour les personnes aidantes, il est frustrant de ne pouvoir être d'un grand secours. Pensez qu'une des conséquences de la maladie de Parkinson est l'extrême difficulté de mener deux tâches en même temps. Les mouvements automatiques tels que la marche n'étant plus aussi automatiques qu'avant, voire plus automatiques du tout, nous devons nous concentrer pour éviter freezing et festination. Si nous ne continuons pas la discussion sur la météo du jour ou sur l'inéluctabilité de l'effondrement, quand nous sommes bloqués dans un coin à essayer de mettre en œuvre la machine à café, c'est pas par désintérêt pour la question, c'est parce qu'il nous faut choisir, marcher ou parler ou faire le café. Dans la prochaine vidéo, nous fêterons le premier anniversaire des Parkinson Follies avec un best-of, une revue de vos commentaires et un bêtisier à ne pas rater. À très bientôt donc.